Salut tout le monde, salut salut, salut Arjo, salut Coco, salut Purple, salut Monsieur Manga. Comment allez-vous tout le monde J'attends qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et on va commencer cette euh, quoi que même. On va peut-être même commencer tout de suite parce que il y a de quoi faire. On est euh... On a été régalés, les gens, par vos participations euh, pour le concours. On en a eu en tout et pour tout, que je ne vous dise pas de bêtises. Hop, et hop, 31. Euh, ça, c'est ce que j'ai envoyé à Konkourou. Bon, alors, euh, vous avez le lien du Instagram de Konkourou dans la description. Ils ont désigné le vainqueur et tous les autres. Euh, Personnes qui... Bon, euh, euh, moi j'avais dit qu'il y avait deux vainqueurs, quatre personnes, mais c'était pour les prix. Donc eux, ils ont tout simplement désigné un vainqueur et les cinq autres euh, personnes qui euh, récupéreront leur prix. Euh, alors, euh, vous allez voir que je vais pouvoir euh, encore en plus euh, choisir un vainqueur personnellement. Euh, que je vais contacter, que je vous dirai probablement... Euh, euh, probablement pas ce soir, la personne pourra le, le dire par elle-même quand elle veut, puisque je vous montre les vainqueurs qui sont juste ici. Bon, allez les voir, allez les voir sur le Instagram de Konkuru. Mais en gros, parmi les vainqueurs de Konkuru, je vous avais dit que je ferais une participation et je fais partie des gens qui ont été sélectionnés par Konkuru. Ça va donc me permettre. De remettre, euh, remettre ce prix à euh, une personne que moi j'avais choisi. Et c'est parfait. Euh, comme, ça, euh, comme ça, il y aura une personne que je choisirai personnellement qui aura euh, le, le prix, euh, prix Niohameh en quelque sorte. <laughs> voilà. Moi bon, j'espère que vous allez bien les gens. J'espère que vous, vous avez passé de bonnes fêtes. Euh, alors, on a 31 participations. Je ne suis pas sûr qu'on ait le temps de faire une correction des 31 dans cette vidéo parce que ça risque d'être un peu long. Par contre, comme moi j'ai bien regardé les participations de tout le monde, euh, ce qu'on va faire plutôt, c'est revenir sur euh, des critiques qui sont communes à tout le monde. Donc ne vous inquiétez pas, les gens, si je viens sur votre participation et que je dis voilà, ça on ne comprend pas, ça, ça aurait pu être mieux. C'est une correction qui est globale. Donc on a à peu près tous euh, fait les mêmes erreurs, c'est ce qui est logique, euh, qui est dû un peu au format, ce genre de choses. Donc je vais revenir là-dessus, on parlera un petit peu des styles de dessin et tout. Et voilà. Hâte pour le prochain concours. Eh bien euh, j'espère qu'on qu pourra le faire le, le plus vite possible, euh, moi aussi, euh, probablement d'ici deux mois. Si, euh, si l'argent YouTube arrive à temps, ce qui n'est pas toujours le cas, mais bon. Euh on a pris l'habitude avec YouTube de toute façon. Mais euh, voilà. Après, si vous voulez qu'on se fasse un concours sans prix, euh, par exemple un concours à terme, à thème, pas à terme, un, un concours à thème Yonkoma, euh, vous me le dites, puis on pourrait se faire ça. Si, si. Donc tu vois les... Euh... Ah, tu... Alors tu ne vois pas tous les participants, ils ont juste mentionné... Euh, les mentions spéciales. Donc il y a le gagnant et les mentions spéciales. Ça arrive au début et ça change euh, donc euh, ben c'est parti je pense qu'on va prendre dans l'ordre alors euh, euh, non je vais pas prendre dans l'ordre euh, je vais en prendre euh, un qui est un peu euh... si on va prendre dans l'ordre on va pas s'embêter on va prendre dans l'ordre un des problèmes qu'on a le cas à mon avis il y a eu le plus dans ce dans ce concours de Yonkoma, euh, c'est que comme on a 4 cases, euh, il faut qu'on comprenne quelque chose en 4 cases, et je pense que c'était le plus dur. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des participations où on ne comprend pas forcément ce qui a voulu être dit euh, dans, le, dans la participation. Donc ça, c'est déjà un truc, hein, la compréhension, c'est essentiel. La compréhension est le fait d'avoir un truc à raconter. Il euh, y a beaucoup de gens qui ont fait des participations. Euh, vous verrez qui euh, qu montre un instant un truc, mais ce n'est pas comme si ça voulait dire quelque chose. Euh, euh, je, on va, je vais vous prendre un exemple tout simple. Euh, un un cas de avec une personne qui arriverait et qui ouvrirait un piano et qui jouerait du piano, ça peut être très sympa. Mais ça ne veut pas forcément dire grand chose. Vous m'avez montré en quatre cases un mec qui joue du piano. Là-dessus, on peut juger la technique. On peut juger le dessin. On peut juger la manière de la narration. Par contre, on ne peut pas juger votre propos parce qu'il n'y en a pas. Euh, si euh, vous faites quelqu'un qui joue du piano et. Euh, dont le clapet du piano lui retombe sur les doigts, vous m'avez dit quelque chose. Vous, vous pouvez m'avoir dit, au travers du clapet qui retombe sur les doigts, il fallait qu'il fasse attention, euh, ou... Euh, enfin, si, ce, si cette fermeture de clapet en elle-même vient d'une autre action qui a été faite avant... qui fait, Enfin, en gros, il faut que ça veuille dire quelque chose. Je pense que c'est le plus gros des soucis qu'on a eu la, la, la plupart du temps sur, euh, sur les participations. Euh, qui a été assez difficile, hein. je dois vous avouer que moi, euh, avant d'envoyer la mienne, j'en ai fait euh, 3, 4, voire même 4, 5, et vraiment quand j'ai posté la mienne, je pas particulièrement euh, sûr de, de la compréhension de ce que j'ai fait non plus. On verra ça tout à l'heure. Euh, on a donc ici la participation de ALL, Hall. Euh, donc voilà, on a deux personnages qui se font face. Ah, c'est encore le fameux coup du duel des pays. Qu'est-ce qui va se passer Ils vont s'entretuer, il va y avoir match nul. Ou alors, ils vont nous faire un classico, le premier touché, on croit qu'il a perdu alors que tout à coup, c'est le deuxième qui tombe au sol et en fait, c'est le premier qui est blessé qui a gagné, je déteste ou alors, paf, et en fait, il le tue lui. Euh, donc voilà, typiquement, là on est sur un gag, ce qui est un truc qui est très utile, très utilisé dans Yonkoma, le format euh, gag manga. Et donc on a la personne qui vole du LDP qui se demande qu'est ce que vont faire les mecs et au final c'est lui qui se fait tuer euh, euh, donc on a tout compris on a le format qui est utilisé avec les quatre cases les deux personnages qui s'éloignent et la vue qui recule et euh, vraiment le, cette coupure qui passe au milieu donc ça a été fait exprès pour le format euh, carré et tout donc c'est très bien C'est euh, c'est Hall qui, qui a gagné le concours. Le form, le, comment, ce qu'il y avait à dire était simple, mais ça fonctionne. Et vous voyez, c'est ça tout le truc avec le Coma, c'est que euh, vous avez le droit qu'à quatre cases, et donc vous êtes obligé que ça fonctionne. Euh, je vais vous montrer un petit peu. Euh, je vais vous montrer tout simplement le, le mien, parce que je trouvais que le mien avait du mal à fonctionner sur sa compréhension. Je vous le montre. Donc Là où je trouve qu'il y avait un petit peu de, de problème sur la compréhension, c'est est-ce qu'on comprenait ce que ça essayait de dire En gros, c'est un, un artiste qui regarde sur Internet les comptes. Et il voit euh, une nana hyper sexy qui a plein de likes alors qu'elle a fait un dessin un peu n'importe comment. Il rigole et après il se suicide. Donc, euh, un, un peu en mode blague, quoi. Avec euh, J'ai fait le tableau derrière, comme s'il se tirait une balle dans le sens du tableau pour que son cerveau finisse sur la toile, quoi. Donc, vous voyez, euh, je trouve qu'on euh, a un peu, peut-être, de, de mal sur la compréhension du propos. Parce que je pense que sans l'explication. Il y en a pas mal d'entre vous qui, en regardant juste comme ça, auront peut-être pas compris. Donc vous voyez, ça on, on, ce genre de truc, ça peut poser problème. Et ça, on la re, je le retrouve dans pas mal de, de participations. Euh, alors, on va regarder cette participation-là, qui est la participation de Anto. Euh, J'ai commandé une pizza et vous m'avez livré, livré qu'une moitié. Inadmissible. Amène-moi le ticket de commande, voyons voir. Mais, monsieur, vous avez commandé une calzone. Donc, typiquement, là on est encore sur du, du gag manga. On comprend euh, ce qui se passe. Le mec commande une pizza et on ne lui a pas livré une pizza, on a une moitié de pizza, on lui a livré sa fameuse euh, pizza livrée en deux. Euh, attention, ici quand même, le coup de la case qui est coupé en deux. Alors, il euh, y a beaucoup de gens, vous l'avez vu hein, si vous me suivez sur Instagram, qui m'ont envoyé des formats rectangulaires, des formats en euh, une page avec toutes les cases dessus, qui ont envoyé des, euh, des trucs un petit peu euh, euh, dans, dans tous les sens. Hein, J'ai reçu vraiment euh, plein de trucs qui ne respectaient pas le, le format. Euh, c'est ça le principe du Yonkoma, c'est vraiment qu'il y ait 4 cases carrées. Là, on a la bouche qui sort et qui tombe sur le truc d'en bas. Honnêtement, ça reste dans le format carré. Donc ça va. Euh, ça, on imagine, si j'avais découpé ici pour mettre les quatre cases à part, c'était quand même euh, totalement compréhensible. Donc ça passe, y a pas de, le fait que ça dépasse le menton, ce n'est pas vraiment un problème. Euh, mais le fait qu'ici, qu'il y ait les cases là, qui soient comme ça, coupées en deux là, c'est un peu compliqué. Euh, c'est un peu compliqué, surtout qu'après, on n'a pas la même coupure ici. Ce qui fait que ça aurait été pas mal de trouver peut-être, euh, de vraiment couper la case en deux et de refaire la même coupure en deux en, en, deux en bas, histoire d'avoir ce rappel. Ou alors euh, la case du personnage ici qui est beaucoup plus grosse que la case de l'autre personnage là, mais après comme c'est lui qui reprend le dessus, faire baisser, euh, faire prendre plus de place à la case du cuisinier. Donc bon voilà. Le, encore une fois, là, le, le propos est compréhensible. On reste sur quelque chose de, de simple, hein, sur une blague assez simple, mais ça a le mérite de fonctionner. On a ici la participation de Bleu. Quand il n'y a pas de texte, je ne vous lis pas. Affaire conclue, une vie contre une seconde peau. L'histoire ne peut pas être réécrite, le temps avance, il ne recule pas. Euh, une vie reste une vie, malgré le temps qui passe, la beauté n'est qu'un masque éphémère, mais la vie, elle, reste un cadeau irremplaçable. Euh, on est là sur une participation qui est probablement euh, graphiquement et sur la sur la narration une qui était le de plus haut niveau par contre euh, pour moi le petit souci qu'il y a avec celle-là c'est qu'à la dernière case il est obligé de nous expliquer tout ce qu'il a voulu nous dire pour moi ça c'est un petit peu euh, c'est un petit peu le souci c'est-à-dire que euh, euh, il aurait été plus judicieux probablement de faire tout simplement cette vieille dame qui qui casse le miroir et euh, qui tombe ou qui est en train de mourir ou un truc comme ça euh, parce qu'on le comprend le propos on le comprend euh, sans qu'il y ait tout ce texte et le fait souvent quand on vient rajouter du texte c'est parce qu'on estime que le lecteur il y a un truc qui comprend pas euh, donc il faut être capable de faire comprendre ce propos sans pour autant euh, le, le dire au lecteur. Euh, C'est difficile sur ce genre de, de, de texte qui en réalité euh, est assez peu adapté au Yonko manga parce que ça veut dire quelque chose d'un peu plus profond tout ça machin. C'est un très bel, très bel exercice qu'il a fait là. Euh, personnellement, hormis le texte qui... Euh, casse un petit peu le, la fin, je pense que en termes techniques c'était euh, une des plus, des plus belles participations. Alors, je vais peut-être en profiter pour lire vos commentaires aussi. Oui, plus le nombre de cases plus est plus c'est compliqué. Et oui, c'était vraiment pas facile. Et oui, c'était le mien, c'était le mien, concouru. J'avais annoncé, de toute façon, j'avais annoncé dans le live, hein, les gens, les gens savaient. Ah, ouais. on a capté totalement le tien à la deuxième lecture. Ok. Euh, alors, euh, donc vous voyez euh, ce qui est a d'intéressant avec ce format Yonko manga, c'est qu'on va pas forcément le juger comme un euh, manga standard, hein. on va vraiment le, le juger d'une autre façon, c'est-à-dire que euh, typiquement on, on vient ici, vous allez voir que là on est un petit peu sur le truc que je vous disais tout à l'heure. Voilà. Il nous a présenté une séquence, une séquence d'un combat contre un dragon, mais en soi, c'est peut-être un peu le problème qu'il y a avec euh, celui de juste avant avec Bleu aussi, on n'a pas vraiment de début, on n'a pas vraiment de fin. C'est-à-dire que là, on arrive apparemment au milieu d'un combat contre un dragon, la personne charge son coup de poing et va attaquer le dragon. Alors ça marche en tant que scène dans un manga, mais... Qu'est-ce que j'ai lu là en tant que Yonkoma Le Yonkoma doit se suffire à lui-même, les gens. Euh, vous l'avez vu, si il faut regarder un petit peu mon Instagram en ce moment. Je vous fais tous les jours euh, quatre petites cases d'une histoire qui se continue. Mais vous comprenez bien que si vous prenez mes quatre cases toutes seules et qu'il n'y avait pas ce qu'il y a avant, il n'y a pas ce qu'il y aura après, ça ne veut pas dire grand-chose. Donc, euh, le Yonkoma doit se suffire à lui-même. Il doit vouloir dire quelque chose avoir un début, un milieu, une fin. C'est ce qu'il a manqué chez la plupart des participants. Vous avez le droit de me présenter une action. Encore, on va revenir sur le, sur le gagnant. Il nous a présenté une action qui était en cours. Mais il y a un début, un milieu, une fin. Début Ah, les deux mecs vont rentrer dans le duel. Ce personnage-là qui est derrière se rend compte qu'un duel va se passer. Il s'écarte, le duel va commencer, le personnage qui est au milieu parle, et là s'il y a trop de texte, ce n'est pas pour expliquer au lecteur quelque chose que le lecteur ne verrait pas par le visuel, c'est pour faire monter la blague. Vous, avez, vous voyez, c'est l'intérêt de faire monter le truc. Ah là là, blablabla, qu'est-ce qui va se passer Oh là là, c'est tellement chiant les duels quand Bam, et c'est toi qu'on tue, en fait. Et on a notre action qui est complète. C'est un, un, un truc qu'on a retrouvé euh, dans, dans quasiment. Euh, je pense la majeure partie des, des participants, hein. c'est vraiment ce euh, c'est vraiment cette cette situation qui manque un petit peu. Euh, ah je l'ai un peu en, en petit format celui-là. Euh, oui, je l'avais en plus grand format mais c'est pas grave. On va regarder comme ça. Ah oui, je me disais aussi. Euh, Est-ce que je l'ai mis dans le bon ordre Non, je ne l'ai pas mis dans le bon ordre là. Oui, il me semble que celle-là, c'est la Quatrième case, pardon. Euh, je m'y ferai jamais à ton gosse. Je te signale que mon gosse n'est pas plus bizarre que ta gosse. Par pitié, laisse tes trucs derrière ton dos qui n'a ni de nez ni de bouche. Mouais. Donc euh, vous voyez, on a, on a une situation ici, qui est une situation comique, où les deux personnages viennent discuter un petit peu de leurs enfants respectifs. Là, euh, je dirais le truc qui est un peu en deçà, c'est euh, la, la blague par exemple. C'est un peu l'inconvénient de vouloir faire de la blague. Donc, le Yonkoma manga avec 4 cases, c'est intéressant de venir faire de la blague dessus parce qu'avec 4 cases, vous n'avez pas le temps de développer une histoire, tout ça machin. Donc, raconter une blague, c'est pas mal. Euh, par contre, il faut que vos blagues soient drôles. Donc là, on a une petite situation qui est intéressante, qui est, co qui est comique, qui est cocasse, parce qu'il y a un, un personnage avec un démon, tout ça, machin. Mais en soi, la, la blague, elle n'est pas énorme, énorme, vous voyez Donc là aussi, bah après, c'est tout le jeu de ce, de ce truc-là de Yonkoma. Hein. Là, ça marche très bien, encore une fois milieu, début, une fin. Aucun souci, mais la blague c'est un petit peu standard. C'est même pas que la blague soit pas bonne ou un petit peu ou des trucs comme ça, c'est que c'est un petit peu standard quoi. Donc, comme c'est un petit peu standard, on s'attendait, on, on s'attendait pas, euh, enfin, on n'a pas euh, un sentiment spécial de ah ouais, d'accord, c'est ça qui s'est passé, tu vois. Euh, en gros, pour revenir encore une fois à, à, au, au vainqueur, on va revenir à chaque fois sur lui, hein, euh, vous avez la blague qui monte, qui monte, qui monte. Et après, paf, explosion de la blague à la fin. Et vous voyez, là, on a une, une discussion qui est un peu une discussion euh, standard entre deux personnes. Ah là là, qu'est-ce que ton gosse, il est machin Bah non, je te signale que toi, elle n'a pas de nez, elle n'a pas de bouche. Mouais. Et du coup, il n'y a pas de retombée au mouais. Vous voyez On a la blague, hop, elle se finit et encore une case après. Vous voyez Il vaut mieux faire 1, 2, 3, 4. Avec un truc qui tombe à la fin pour la blague, ou avoir. Euh, enfin, euh, il faut que la blague, elle, elle arrive sur, sur, la, sur la fin. Sinon, vous n'avez pas votre montée pour la blague. Enfin, bon, il y a. Oui, voilà. C'est ouais, exactement ça, Concouru. Faire une conclusion euh, un petit peu plus marquante. Nous dire. Euh, enfin, je ne sais pas. Je ne vais pas réinventer la blague de la personne, mais je pense que vous avez compris. Il faut que la. Il faut que la fin nous donne une impression de fin. Et non pas que l'on reste sur sa fin. Euh... D'où l'expression rester sur sa fin. C'est quand la fin n'était pas, euh, pas particulière, euh, n'était pas marquante. Euh, dis, sois honnête avec moi, mon cher petit frère. Euh, tu penses que j'ai une chance avec ma crush Elle m'a recalé. Non. Petits points, je te déteste. Tu m'as demandé d'être honnête, euh, je pense que non. Euh, on est un peu sur le même constat, c'est-à-dire la blague tombe en troisième case, et après, on vous voyez en fait quand vous rajoutez une case après la blague. Euh... Vous, vous atténuez la blague, c'est à dire, euh... Comment... j'aimerais bien vous trouver un petit exemple parce que je pense que la plupart des gens euh, ont, ont compris. Mais c'est bien de, de pouvoir euh... voilà. Euh, typiquement, euh, j'ai un ah là là, t'as vu mon stylo? Regarde, je vais te faire un tour de magie. Non. Ma blague est censée se terminer ici. Mon stylo est dans ma barbe, parce que c'est là, c'est ça, c'est là où je voulais te faire rire. Si à partir du moment où je vous dis, vous avez vu, mon stylo était dans ma barbe, du coup ça, m je suis revenu sur ma blague, donc ça marche plus. Les seules blagues sur lesquelles vous pouvez revenir, c'est les blagues qui sont faites exprès pour ne pas être drôles. C'est-à-dire, vous rajoutez une surcouche à votre blague. Potentiellement, je pense que ça ne marche pas en Yonko manga parce que vous avez quatre cases et que c'est du comique de répétition et qu'il faut traîner un petit peu, tirer sur un truc qui n'est pas drôle. Je pense pas que sur du Yonko vous pouviez vous permettre de marcher sur de la blague pas drôle. Là, on est sur une blague qui, euh, on va dire, qui marche avec le personnage, mais on vient en rajouter une couche qui atténue la blague en fond. Donc voilà, c'est un petit peu des, des trucs euh, qu'on peut donner euh, après. Là, je dis ça, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui va pouvoir se dire, attends, mais moi, je suis sûr que je peux trouver une blague qui se fait en trois cases, et que la quatrième gaze, case, elle va faire rebondir ma blague encore plus. Mais il faudra que ce soit réfléchi, calculé, tout ça. La fameuse barbe de Panoramix, voilà. Si tu expliques un gag, c'est que le gag n'a pas marché. C'est exactement ça. Après, ce n'est pas toujours des explications que les gens y donnent, toi. C'est juste une suite à les situations. Mais si tu me mets une suite à la situation, c'est que euh, c'était pas ça, ça l'intérêt de la blague. En gros, les quatre cases doivent correspondre à un truc, pas à deux propos. Euh, je te provoque en duel, Skylor. Mais pourquoi Non, je refuse. Et insupportable, tu es têtu, agaçant. Il est bête. Ben quoi, ce n'est pas de ma faute si je suis bête. Personnellement, j'ai pas totalement compris ce que tu as voulu dire ici. Là, on est sur un peu le truc où on ne comprend pas exactement le, le propos que tu as voulu tenir. Euh Bah, je pense que tu as voulu faire une blague sur le fait que euh, le mec il dit genre, moi ouais, je suis. Juste je, je, je suis bête quoi. C'est pas de ma faute si je suis bête. Donc le mec il est agaçant et têtu parce qu'il est bête. Bon, encore une fois, je pense qu'on on comprend. L'avantage c'est que là tu as fini ta blague sur le dernier. Ta dernière case, tu as voulu dire que le mec il était bête donc il l'a signalé par lui-même. C'est pour ça que le mec lui, lui reproche quelque chose. On n'a pas tout à fait compris. Je pense que. Euh, ça mériterait de, de rechercher un petit peu la blague, de, de la retravailler par rapport aux mots, tout ça, machin. Et ne pas oublier que les mots que vous utilisez sont très importants dans la façon dont la blague va sonner, tout ça. Donc, essayez de trouver des mots qui sont un petit peu rigolos, tout ça. Euh, après, euh, voilà, euh, comme, euh, comme pour tout le monde, tu as fait une très belle participation et les gens, vous avez tous fait des très bonnes participations. Hein. Je reviens vraiment sur tous les trucs qu'on puisse regarder ensemble afin qu'on puisse tous se tirer un petit peu vers le haut, s'améliorer. C'était le but du concours avant tout, bien sûr. <laughs> Arjo qui nous a fait une. On, on, on va la voir tout à l'heure qui nous a fait une participation. <laughs> une participation bien hardcore. Euh... enfin, on va voir pourquoi. Euh, J'adore fait... faire les courses avec ma maman. Mais c'est pas ma maman. Mais. Tu n'es pas mon enfant, Madame, rendez-moi mon enfant. Euh, enfant, rends-moi ma maman. J'ai bien fait d'échanger mon fils avec toi. Tu as l'air plus sage. Donc là vraiment, la, la blague tombe à la fin au bon moment, ça marche, c'est drôle. Euh, le mec euh, a un autre enfant dans la main. On se dit ah merde, c'est juste trompé d'enfant. Mais en fait la mère l'a vraiment échangé. Donc ça marche. Euh, ça fonctionne très bien, on a utilisé le concept du Yonko Manga, tout ça. Je pense que là, la perspective vers le haut, on comprend ce que tu as voulu faire, euh, ça marche parce qu'on comprend qu'ils se rapprochent vers eux. Ça reste un petit peu compliqué euh, quand même dans la vue d'avoir les personnages qui marchent comme ça euh, euh, vers le haut, mais euh, c'était quand, euh, quand même très bien joué, encore en plus, tu as changé de, de vue à chaque fois, donc euh, c'était euh, très bien. Je ne je fais pas de euh, je fais pas des corrections sur la technique de, de dessin, les gens. Hein. Euh, en, franchement, dans le Yonko Manga, l'important, c'est qu'on comprend ce que vous aviez voulu dire en dessin. Et quasiment tout le monde était compréhensible en termes de dessin. On voyait ce qui se passait. C'est vraiment le truc, le, je pense, sur lequel tout le monde a le mieux joué. Vous, vous étiez tous compréhensibles. J'ai euh... adoré participer à ce concours, bah, ça me fait plaisir. Et vraiment, euh, moi j'ai participé plusieurs fois moi-même et ça m'a même lancé sur mon truc de 4 cases que je fais maintenant euh, assez souvent sur Instagram. Et du coup, euh, enfin, moi ça m'a vraiment beaucoup beaucoup plu. On a ici la participation. Oh excusez-moi, je n'ai pas dit les noms de tout le monde. Euh, mais vous les voyez écrits de toute façon. La participation de Face Nio. J'ai dit 4 cases carrées. Donc euh, voilà, face qui euh, qui a rigolé sur euh, sur le truc que je vous avais mis sur, euh, qui a fait une blague sur le truc que je vous avais fait sur Insta en vous disant que que j'ai reçu pas mal de participation rectangle. Euh, alors moi, ça m'a fait rire parce que j'ai reçu euh, 10 milliards de participations rectangle non, pas, pas tant que ça, mais vous avez quand même été un bon paquet au début à m'envoyer des participations en, en rectangle et j'ai dû dire aux gens, ben désolé, mais euh, c'est en carré quoi, c'était écrit dans la règle et donc, euh, ben bien joué, c'était vraiment euh, très drôle et c'est très compréhensible. Euh, encore en plus, tu as fait euh, ce découpage là avec des cases à l'intérieur des cases carrées que moi je pensais pas euh, particulièrement fonctionnel et pourtant ça marche. J'ai même vu euh, quelqu'un que je vais essayer de vous montrer sur Internet. Euh, que j'ai pris en, en screen. Bon, maintenant j'ai 10 milliards de photos sur mon. Est-ce que je vais le trouver euh... Ah merde, c'est un auteur que j'aime bien. Mais en fait, ça marche bien. Ah oui, voilà. Euh, je me dis que ce serait totalement possible d'avoir même un, un travail comme ça avec vraiment du, du découpage de cases juste dans un carré. Je pense que je vais tester ça pour, mon, pour la suite du truc que je fais sur Instagram. C'est même lisible sur Insta. Donc euh, voilà, euh, bien joué à toi, Face. Euh, et je pense que euh, c'est une bonne idée d'essayer de jouer sur cet aspect de, de cases. Attention, petit truc très classique là, les nuages qui viennent ici sont sur la même lignée que les nuages qui sont là, ce qui fait qu'on on a un peu du mal à la première vision à voir, tu vois que ce n'est pas le même nuage. Il faut faire attention d'une case à l'autre, il ne faut pas que les traits se suivent. C'est quelque chose qui est assez important. Euh, bonne participation, la chute tombe à la fin, donc euh, nickel. Euh, ah la célébrité, salut, salut. En fait, c'est nul la célébrité. Et hey, regardez, waouh! Alors, participation très intéressante, très, euh, très jolie. C'est qui qui a fait ça? Euh, Gastoun. Vraiment très sympa. Euh... L... Je pense que là aussi, c'est sur la blague. Bon. Euh, honnêtement, le truc qui fait plus rire, c'est le mec qui le voit passer en dessous et qui saigne du nez. <laughs> euh... Le coup de... En fait, la célébrité, c'est un peu naze. Tu vois, euh, il aurait fallu... Euh, il aurait peut-être presque fallu qu'elle se casse la figure plus que ça. Ou alors... Ou alors, parce qu'elle tombe par elle-même. Il aurait fallu que ce soit quelqu'un qui prenne une photo. Genre, elle est tellement connue, quelqu'un prend une photo, et c'est le flash qui la fait tomber. D'un coup, c'est la célébrité, c'est nul. Là, on comprend que la célébrité, c'est nul parce que... Bah, tout le monde la regarde quand elle tombe. Euh, mais tu vois, il aurait peut-être fallu accentuer un petit peu ça. Pareil, on est sur du Yonko manga, on a le droit qu'à quatre cases. Donc vous êtes obligé à chaque fois de faire en sorte que le truc fonctionne énormément. Il faut vraiment que ce soit. Même si pour peu que le, la blague. Je, je sais que là, ce qu'on a tous voulu faire, c'est essayer de faire un truc un peu plus fin que les blagues bateau, les machins, les bidules. Mais le Yonko c'est aussi apprendre à se servir des classiques. Typiquement, le mec qui saigne du nez ici, tu vois, c'est un classique, on voit ça, on rigole automatiquement, tu vois. C'est naze, c'est bateau, mais ça fonctionne. Tu vois, dès qu'on essaie de creuser un petit peu plus, ça c'est aussi le truc que je me suis rendu compte, hein, vraiment. Euh, dès que j'essaie de faire des trucs compliqués en Yonko Manga, ah, en fait, je vais partir sur... C'est les trucs qui marchent le moins bien. Et dès que vous rentrez dans les classiques, ça fonctionne. C'est aussi pour ça qu'au Japon, vous allez vous retrouver avec du manga qui est classique, hein. Euh, c'est parce que les gens apprennent à maîtriser des classiques. Faire un excellent classique, c'est mieux que d'essayer de faire quelque chose de spécial, mais qui est un peu moins bien réussi. Après, voilà, gros, gros niveau technique, Spider-Gwen, super cool. Euh, attention, le fait d'utiliser des personnages qui existent déjà aussi, euh, pour, je ne sais pas pour Konkourou, peut-être que Konkourou pourra le dire, mais euh, ça peut aussi... Euh, baisser la valeur d'une œuvre. C'est-à-dire, j'arrive... à, à ah, c'est Spider-Man. Et vous voyez, en tant que Spider-Man, je suis déjà en train de m'intégrer une quantité de souvenirs de machin de bidule, ou Spider-Gwen, parce que je sais qui c'est. Tu vois Donc, comme ce n'est pas un nouveau personnage que je découvre dans la case, il y a déjà une pré-interprétation de ce que je vois, qui peut être très utile à certains moments. Typiquement, là, tu l'as fait utiliser son pouvoir, je ne suis pas étonné. De voir Spider-Gwen se déplacer avec du fil euh, comme ça entre les immeubles. Donc ça c'est bien toi, tu, tu l'as joué à ton avantage. Mais faites attention, ça peut jouer à votre inconvénient. La participation de Arjo. Fais gaffe ton cul, il doit être encore euh, être fourré dans un trou. C'est le dernier de la mission, il faut rester vigile Attention derrière toi. Merde. C'est tentacule gluante. T'es sûr que c'est conseillé à son âge Oh, regarde, il y a écrit plus 8 sur la boîte. Puis, euh, ils sont précoces de nos jours. Tentacule, tentacule. Alors, euh, je pense euh, que tu avais, euh, Arjo, aussi, une des meilleures participations. Euh, si on retire le fait que c'est une blague de pédo, <laughs> honnêtement, <rire> euh, je pense que tu avais vraiment un des, un des trucs qui était le. qui, qui marchait le mieux. Le, le coup de. Ah, euh, il y a une fille, elle se fait attraper par un monstre, machin, et en fait, à la fin, elle était en VR. Euh, le coup du... Euh, c'est trop jeune pour son âge, euh, c'est conseillé au plus 8. Euh, je, du coup, maintenant, je regarde tous les détails par rapport à ça. Genre, il y a le, la boîte de mouchoirs sur le lit. Au début, elle, elle dit, elle doit être encore fourrée dans un trou. Voilà. Euh, comment dire On avait le choix entre... Euh, appeler la police et... Euh, <laughs> Non mais vraiment c'est une bonne participation, la blague tombe au bon moment et tout. Je pense vraiment qu'il y a ce côté un petit peu dérangeant d'avoir ce personnage qui est trop jeune, qui se retrouve dans une situation qui nous fait rire parce que c'est le coup des tentacules à la Entei avec un alien. Pour autant, euh, ça peut être. Bah, euh, typiquement, euh, comment. Euh, euh, Tezuka en parle dans son livre. Tezuka en parle dans son livre. Il dit euh, il faut éviter les blagues trop de politique, euh, salas et un autre truc. Et typiquement, on comprend pourquoi. C'est parce que ce genre de réflexion sur un petit truc, petite blague, machin. Euh, enfin ou n'importe quel truc de un peu sexuel tout ça euh, rend le truc un petit peu peut rendre le truc un peu euh, dérangeant ou compliqué à lire, ce genre de truc après on est un peu les spécialistes en France de ce genre pour le coup de euh, BD en de cases euh, politique dérangeant qui parle de choses euh, importantes et tout là euh, typiquement on est sur une blague donc c'est pas ça hein. mais euh, euh, ça vaut le coup de si c'est le, le truc que tu avais envie de, de raconter si ta blague sonnait comme ça dans ta tête, ça vaut le coup de le poster, on on pas on n'est pas, euh, pas la police euh, on n'est pas la police du, de la BD mais je pense que euh, ça a joué sur euh, euh, sur la vie que en tout cas que moi je m'en suis fait, je ne sais pas pour Konkuru, mais peut-être aussi <laughs> Pété derrière, dès la première caste, tu sens le côté malsain. Voilà. Donc les mecs de Konkourou euh, on sentait ça un peu comme, comme moi aussi. Euh, C'est du niveau de paf-paf de Goku sur Shishi, sur son nuage magique. Euh... Le paf-paf de Goku, que ce soit avec Bulma ou Shishi. Euh, ça reste des enfants dans une situation d'enfant, d'un truc qu'ils ne comprennent pas, tu vois. C'est-à-dire que euh, quand tu vois un enfant à l'école primaire qui dit Ah j'ai mon zizi, il est sur la tête, c'est un enfant. Tu te dis pas Ah il a voulu dire euh, J'ai mon gros geek sur la tête, c'est pas ça, tu vois. Euh, quand tu fais une petite fille attrapée par un monstre avec des tentacules, ça fait déjà un peu euh, plus bizarre, tu vois. Oui, voilà. En plus, c'est surtout quand la mère, elle répète le plus vite, tout ça. Ça fait vraiment ce côté un petit peu... Euh... Mais encore une fois, voilà, euh... tu l'as vu comme ça, tu l'as dessiné comme ça, et c'est comme ça que ça t'est venu la blague. Après, forcément, le, le lectorat ne va pas le sentir de la même façon. J'ai vu des gens se plaindre de trucs absolument incroyables sur Internet dans les mangas, tout ça. Mais c'est un risque à prendre. Euh, moi, je sais que euh, quand je fais des trucs qui sont un petit peu compliqués comme ça, euh, sur des sujets qui peuvent être euh, durs à aborder euh, sur des trucs sur des plans où il peut y avoir de la sexualité des trucs qui euh, 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 peuvent euh, évoquer certaines pensées dans les gens c'est toujours très très difficile de faire le bon, de faire le bon choix. ah, Pour toi, euh, pour vous, Conkourou, le problème c'était le, le tentacule yamete qui était un petit peu qui était un petit peu classique. Ouais, moi je trouve que les, les classiques comme ça justement ça ça a le mérite de, de marcher assez, assez facilement. Mais tu vois, on a tous, euh, on a tous nos appréhensions. Euh, moi c'est pas ça qui m'a que, que j'aurais j'ai vu en premier camp Enfin j'ai pas senti ce truc. Après voilà, les gars de Konkuru, ou peut-être plus d'expérience dans les tentacules yamété. C'est peut-être pour ça qu'ils ont vu ça en premier. Alors, <laughs> euh, autre participation de Evans Dorm. Oui, dis-moi, homme, m'aimes-tu Oui, du euh, -moi, homme, -tu oui, de moins je le pense. Va donc me cueillir des plumes dans mon ancien pays. C'est ainsi qu'un simple homme partit seul à l'aventure. Et finit par arriver à destination devant un palais gigantesque. Il brava des tempêtes, gravait des montagnes, vainquit son vertige. Mais le héros fit capturer avant même d'avoir réussi à voler ne serait-ce qu'une seule plume. Pourquoi es-tu ici, homme, pour une demoiselle Et tu sais pour. Et tu crois que c'est pour ça qu'elle t'aime et c'est ainsi qu'après avoir échoué dans sa mission, il alla dépenser sa fortune en oubliant sa tristesse dans ce bar. Dans les bars, pardon. Euh... Je pense que je pense que. Le souci est un petit peu la compréhension de la blague. Euh, tu viens sur le. Il a là dépensé euh, sa fortune en oubliant sa tristesse dans les bars. Euh... C'est quoi sa fortune D'où elle vient Je pense qu'il y a beaucoup de questions. Il y a trop de questions pour que, euh, pour que la blague fonctionne. Euh, je, je pense c'est ça. Euh, voilà, il euh, y, y a beaucoup de, de choses qui ont été expliquées. Le, donc le, je comprends bien le périple du, le héros monte, il veut prendre une plume et au final euh, tous ces grands trucs, ces grands machins, tout ça pour aller boire un verre avec ses potes. Mais il y a trop de choses, tu vois. Il y a trop de choses sans euh, la vraie continuité de, de l'histoire. C'est-à-dire que si tu me dis qu'il y a un truc qui se passe à la fin, il faut qu'il se passe un truc à la fin par rapport à ce qui se passait avant. Exemple, euh, le personnage devrait, je donne un exemple, hein, devrait être là et dire euh, Est-ce que tu m'aimes tu, tu devras me le prouver en allant chercher une plume. Et le mec, qui dit Je ne m'arrêterai jamais devant rien et pendant qu'il marche, et je gravirai toutes les montagnes. Tous les océans, tous les machins, et j'irai jusqu'à la bout du monde. Et après, il y a trois mecs qui le mettent de glace, qui le mettent par terre. Bon ben, finalement, je vais boire un verre. Tu vois, il faut que ça fasse comme ça. Ouais, PAM. Mais il faut qu'il y ait une continuité aussi euh, dans la façon dont ça arrive. Là, la façon dont ça arrive, et c'est ainsi qu'après avoir échoué sa mission, il a dépensé sa fortune. Tu vois. Et il aurait fallu à la limite peut-être que tu n'aies que le discours du narrateur. Et le discours du narrateur qui monte, qui monte, qui monte et qui redescend à un, à un point donné. Mais là, euh, on est encore aussi sur le problème qu'on a dit avant. Hein. C'est-à-dire que là, là c'est tombé. Ah, le mec voulait tomber. Ben non, du coup, la il se fait arrêter. Et du coup, il va boire des verres. Il faut que ce soit en... Un coup, ce truc, c'est... Euh, il se fait arrêter par des mecs, machin, bidule, là, mais qu'est-ce qui va se passer Et bah ben, il va boire des verres. Là, je sais déjà que le mec a, a abandonné, puisqu'ils l'ont éclaté que le mec qui est au sol. Donc à la limite, quand il va boire des verres au bar, je suis plus trop étonné, tu vois. Il y a un peu de, de ça à jouer. Euh, je vais peut-être accélérer un petit peu les gens, sinon, on n'est pas prêt d'avoir fini, on en est déjà à 45 minutes et on a fait que la moitié. Allez, c'est parti. Cet enfurent. il m'a mis mal. Allez me fumer ce mec. Oui, maître. Attention, car le roi des démons a envoyé des troupes sur toi. Je m'en charge. Euh, voilà, là on est aussi dans une situation où on est au milieu de quelque chose, mais on n'a pas un truc qui a commencé et un truc qui finit. On est juste au milieu d'une situation de combat. Des personnages arrivent, des personnages partent. Il y a un combat qui se passe. Au enfin, y a, on suppose... Un combat que, qui viendra plus tard, mais euh, le, le Yonko Manga ne nous a pas euh, exprimé quelque chose à part entière lui-même. Pourvu qu'il ne soit pas trop tard. Pourquoi, bordel, mais pourquoi Pareil. On n'a pas une situation qui finit, qui commence et tout ça. On a juste un personnage qui court pour sauver quelqu'un et il arrive trop tard. Vous voyez, il, faut, il faudrait que le discours exprime quelque chose d'un peu plus. Genre, par exemple, la, la nana est derrière elle, euh, ah, je vais te défendre, ou le mec, ah, je vais te défendre à tout prix, ta 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 ta, et euh, euh, je donnerai toute ma vie, tout ça, machin. À la fin, ça loupe, et maintenant, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, tu vois. Mais là, on n'a pas de, de mise en place de situation seulement dans les quatre cases, donc on ne sait pas ce qui se passe avant et après, ça pose un petit peu problème. Euh, Junior qui nous a fait aussi une très belle très belle participation avec euh, un personnage avec son, une invocation l'invocation derrière Hop, un autre personnage qui est là devant lui aussi son invocation et les deux monstres qui vont rentrer dans le combat pareil j'ai vu que tu l'as dit euh, tout à l'heure Junior euh, tu avais pas forcément un, un truc à raconter donc voilà là c'est le c'est le moment où le Yonko Manga euh, C'est intéressant dans le style, dans le graphique, tout ça. Vous avez été beaucoup à avoir vraiment des, un très bon niveau euh, graphique, très bon niveau de narration. Par contre, il faut avoir un truc à dire. Ça aide, euh, ça aide forcément à ce que ça marche, quoi, à ce que le format 4 cases marche. Euh, à la limite, est-ce que vous... Ah ouais, je pense que quasiment tout le monde a... Enfin, tous ceux qui ont un compte Insta l'ont posté sur l'insta. j'allais dire... Euh, est-ce qu'on prend les participations de tout le monde pour les mettre sur un seul Insta Mais comme tout le monde les a à peu près postés chacun de, sur son compte, je pense que, que c'est bien. On a ici la participation de euh, Kera aussi. Hein, très, euh, très sympa, le, très sympa le, le dessin avec les hachures. Donc on a un personnage avec un corbeau. Le corbeau. Encore un zoom sur le corbeau. Et là, une épée qui arrive vers le personnage. On est toujours dans une milieu de situation avec quelque chose qui se passe, mais pas forcément un discours qui ne correspond qu'aux quatre cases. C'est ce qu'on a le plus eu en termes de, de participation pour le, manga, le Yonko Manga. Euh, si ça avait été un concours que de niveau de dessin, je pense que ça aurait été beaucoup plus difficile à choisir parce que vous avez tous envoyé des superbes participations, mais vous avez été peu à avoir eu quelque chose à dire. Euh, une femme, euh, enfin, j'ai pas besoin de vous le dire en fait. Ah oh oui, ça se lit dans ce sens-là. Là, Là c'est pareil. Euh, un peu la compréhension de, de ce qu'il se passe. On arrive. Euh, je, je pense que là, on était vraiment sur un souci de, de compréhension, euh, vraiment. Euh, Qu'est-ce qui se passe sur les cases euh, Je pense que c'était un petit peu dur à comprendre. Il faut que j'avance. Excusez-moi, euh, j'avance sur les participations de, de tout le monde, mais sinon, j'aurais jamais le temps de, de faire tout le monde. Hop. Euh, Quelqu'un qui, euh, Kuzutopi, qui nous a fait un truc un peu à la Soutomonié. Personnage qui arrive devant un monstre et qui euh, lui tire dessus, ça fait un gros trou. Pareil, on arrive au milieu d'une situation, essayer d'arriver à, euh, à exprimer quelque chose en de cases, c'est excessivement difficile. Euh, suite aux annonces du gouvernement, il est strictement interdit de danser dans les bars. Ça a pris feu. Ah, c'est ça mon frère, il est énervé le bouc. Un nouveau dispositif a été mis en place sur tous les territoires. Monsieur, arrêtez-moi ça. Allez, les gars, menotez-moi, menotez-lui les reins ici. Et puis, quoi Donc, euh, voilà, une mesure, euh, nouvelle mesure mise en place, pas le droit de danser. Donc, le mec, il lui met des menottes euh, sur les reins. Euh, participation de Lazy Lion. Donc, là, il a raconté une histoire du début jusqu'à la fin. Euh, je pense qu'elle était un peu dure à comprendre. Euh, moi, j'ai dû lire 2-3 euh, fois pour comprendre le coup du. Euh, on a mis les menottes sur les reins. Je ne sais pas si c'est l'aspect des menottes ici et du fait que le mec il est en train de danser encore ou le fait qu'on n'a pas euh, l'annonce de la nouvelle mesure ou un truc comme ça. Mais il euh, y a un truc que j'ai eu un peu du mal à, à comprendre que j'ai dû euh, relire un petit peu. Je ne sais pas pour Konkuru qui a corrigé, mais euh, pour moi, c'est un petit peu comme ça que. C'est un peu ça qui m'a posé du, du problème sur la lecture ici. On a ici une participation de. Euh, ah, je n'ai pas noté le nom. Parce que la participation est arrivée euh, 48 minutes en retard. Elle est arrivée euh, non pas le 20, mais le 21, euh, 48 minutes en retard. Tu euh, m'avais envoyé sur Discord. Donc on a un personnage qui donne son corps à une femme. Euh... On... Je pense que là, on a la situation au complet, puisque le personnage arrive, donne son cœur à, per... à un autre personnage. Le problème, c'est que comme on ne connaît pas ni l'un per... des persos, ni l'autre, on comprend le concept. Je pense que c'est un peu plus com... compliqué pour l'émotion qui va avec. Euh, c'est très long à monter un, une affinité avec des personnages. Un personnage qui se sacrifie pour un autre, quand on, a, euh, on ne connaît ni l'un ni l'autre, c'est un peu compliqué. On a ici euh, deux groupes qui se battent. Tac-tac. Euh... Et. Euh... J'ai pas totalement compris ce que tu as voulu exprimer ici. Euh, tu nous as mis un combat de, de ninja euh, où tout le monde est perdant, je suppose. Euh, donc voilà, je, je pense que c'est ça que tu as voulu exprimer. Mais hum, ça manque peut-être un petit peu d'un discours un peu plus euh, précis. Euh. Encore une fois, j'accélère un petit peu, excusez-moi les gens, hein, mais on en a beaucoup à voir. Au secours, euh, j'aurais aimé pouvoir te protéger. Ah oui, bah, j'aurais aimé pouvoir te protéger. Au secours, je vais te venger. Bon. Et il fait exploser, donc euh, le mec fait exploser les, les criminels, peut-être de, de sa sœur, de sa femme ou d'un personnage. Euh, voilà. Je pense que euh, on a bien compris la. La situation. Pareil, ce que tu invoques un petit peu ici, c'est euh, l'émotion qui est plus collée sur les personnages. Euh, et du coup, il faudrait qu'on ait une attache particulière à des personnages euh, pour ressentir ça. Un personnage qui pleure parce que euh, quelqu'un qu'il aimait mort, est mort, c'est difficile à être attaché à lui si on ne sait pas qui c'est. Euh, pareil, je ne suis pas sûr d'avoir compris exactement la situation. Je pense que c'est cette case-là qui embrouille un petit peu. Il se lance quelque chose. Ah oui, il, il attrape. Ah d'accord. Je pense qu'il attrape la, le Happy Meal de la personne en face sur son plateau à très grande vitesse. Donc euh, voilà. Un, un peu difficile à comprendre l'échange comme ça qu'il y a eu dans la case précédente. Mais euh, très, très bien ta participation. Euh, personnellement, je n'ai pas euh, compris ce qui se passait ici sur les cases. Euh, il y a beaucoup de hachures, de, de noir, tout ça, mais je vois pas exactement euh, ce qui se passe. Je sais pas si Konkuru a eu le, le même problème que moi sur ces quatre cases-là, mais euh, je n'ai pas compris euh, exactement. Donc, euh, euh, Roman Ourai, si tu pouvais me me dire exactement ce qui se passe. On a l'impression qu'il y a un personnage qui sort une épée d'un endroit ou quelque chose comme ça, avec peut-être une lumière au loin de cette épée. Euh, je pense que c'est ça, mais un peu du mal à comprendre ce qui se passe sur les cases. Euh, je suis déterminé, je vais faire mes devoirs cette fois. Message, Didier, regarde. Un message, et je me mets une infinité d'heures plus tard. Donc, voilà, typiquement, euh, running... Euh, enfin, euh, 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 comique, euh, yonko manga comique, avec la personne qui veut faire ses devoirs, qui regarde un message, puis l'autre, et qui finit par ne jamais faire ses devoirs. Euh, la situation qu'on a tous euh, vécue. Et je pense que ce genre de truc euh, euh, très explicite, c'est bien entendu euh, très classique, parce que ce genre de blague-là, on en a vu euh, beaucoup, mais, euh, mais ça fonctionne. Hein. Euh, tu aurais peut-être pu exagérer encore plus euh, le personnage et le faire directement mort dans son lit avec ce télé son téléphone sans même avoir besoin de, du coup d'écrire une infinité d'heures plus tard une infinité d'heures plus tard ça veut dire que le mec est mort qu'il y a des toiles d'araignée et machin ce genre de blague est assez classique mais ça marche très bien donc euh, très cool Euh, voilà, on a un personnage qui arrive, qui sort son katana et que le seul truc qu'il a réussi c'est à se couper le doigt avec. Euh, pareil, classique, ça marche très bien. Euh, je pense euh, qu'en en rajoutant un petit peu au début, en donnant vraiment cette impression que le mec est encore plus euh, incroyable parce qu'il y a tout le, y a le temps qui s'arrête et tout. Par exemple cette case là. Et pas très importante pour la blague à la fin, tu aurais pu rajouter une case où euh, le temps s'arrête, euh, ou à la place de celle-là, peut-être tout le monde regarde les oiseaux, qu'est-ce qui s'est passé, tout ça, machin, et au final il saigne du doigt, ça aurait accentué euh, la blague plutôt que lui se dise ah mon doigt, tu vois. Qu'on euh, qu ait une case où on s'attende à ce que quelque chose soit coupé. Là on voit sa tête, donc c'est pas sa tête qui va être coupée, on le sait, mais. Euh, Mettre un gros plan sur un arbre, ce genre de choses. Participation de Umut Ah merde, euh, j'ai tout bu. Il faut que j'en euh, prépare. Il met son sachet, il met de l'eau chaude et il a fait euh, son café. Voilà, le personnage a fait son café. Euh... Oui, euh, voilà. <laughs> Est-ce que, est que j'ai besoin de dire quelque chose sur un personnage qui fait son café Je ne pense pas, je pense qu'on a, euh, a tous compris. Euh, attends, mon logiciel pour le Quest. Yo, euh, salut. Pff, loser. Euh, pareil, un peu comme pour euh, les gens on a la, la blague, puis la blague qui retombe. La blague, elle est, à mon avis, elle est. À ce moment-là, vraiment. Donc, refaire une autre case derrière. Euh, il aurait mieux fallu que ce soit euh, les deux personnes, les personnages ne se regardent pas. Elle tend la main en mode salut et elle finit sur euh, un, un, un doigt d'honneur. Euh, finir sur la blague, vraiment, plutôt que rajouter un truc derrière, je pense que c'est une bonne idée. On est ensuite sur euh, Wawan. Tu vas avoir l'honneur de te faire consumer rapidement. Il y a. Et merde. Et il se fait défoncer. Donc, <laughs> voilà. Euh, typiquement, le, le, la blague tombe au bon moment. Quoi. Euh, le mec veut mettre un coup. Oh, pas de pouvoir. Boum. La fin de la blague. S'il avait fini la blague là, et qu'après, il y a le monstre qui dit. Ah, loser. Tu vois, la blague retombe. C'est bien de finir sur ce moment-là, au moment où on a envie de rigoler. D'ailleurs, vous voyez que quand vous lisez les Yonkoma, je viens de faire attention, vous, vous rigolez souvent une seconde ou deux après la blague. C'est-à-dire que vous lisez votre truc, parce qu'il faut bien comprendre que vous n'allez pas lire en Yonkoma manga, vous avez quatre cases, vous pouvez lire des trucs très drôles, hein, mais euh, euh, ça, ça reste des blagues qui sont assez simples, tout ça. Ce qui fait que c'est aussi par la simplicité. Que passe la blague. Donc, vous n'allez pas vous. Enfin, je suppose que c'est possible, mais quand vous n'êtes pas sur la quatrième case en train de vous dire Waouh, putain, mais c'est du génie C'est-à-dire que c'est un une blague assez simple, et donc vous la disiez hum, Ok, ça marche. Pas besoin que... Et donc, il faut finir avec cette quatrième case-là qui te laisse le temps de respirer et de rigoler à la blague. La voilà, c'est pour nous, elle va nous sauver. Elle a puisé sa force dans les grands défauts, ses différences en ce qu'elle a de plus beau. Bah ben non, je suis comme vous. Foutez-moi la paix. Euh, pareil, voilà, encore une case qui se rajoute après après la blague, qui, qui refait retomber un petit peu la blague. J'ai l'impression d'être en train de voir. Euh, de voir un résumé de. Euh, Oussama Ranking. <laughs> avec le personnage, genre. Ah, oh, il est handicapé, il est aveugle, machin. et ben non, en fait, il est trop fort, il est capable de couper les gens en deux avec son épée. Bref. Euh. Voilà tout le monde. Euh, voilà, pour les, voilà pour les participations de, de tout le monde. On les a tous regardés du coup. Je regarde. Euh, je regarde tout ça. Tac tac tac. Oui, pas de soucis. Euh, donc euh, voilà, on a tout regardé, euh, on a fait le tour de toutes vos participations. Vraiment, euh, les gens, merci, merci, merci de toutes vos participations. Il y en a donc euh, une partie que j'ai reçue hein, euh, qui n'est qui pas là, euh, notamment celle qui ne correspondait pas au, au format. Euh, vraiment, bien joué à tous. Est-ce que ça vous dit, les gens, qu'on se refasse un concours euh, Yonkoma euh, sans prix avant euh, le prochain où il y aura un prix. <laughs> Hugo qui arrive pile à la fin. Bah oui Hugo, bah, euh, ne t'inquiète pas. Tu, je, vous laisse, je vous laisse la rediff de la vidéo comme ça pour voir. On a lu les participations de tout le monde. Vous voyez que c'est souvent les mêmes problèmes qu'on a tous eu en fait que j'ai eu euh, moi aussi et que j'ai encore quand j'essaie de faire les, les young coma Vraiment euh, cette compréhensibilité. Faire en sorte que la dernière case. Euh, soit la, la fin de l'histoire, euh, jouer avec la narration, tout ça, machin. Euh, moi j'ai trouvé ça vraiment très intéressant, c'est un truc que j'aime beaucoup, d'ailleurs maintenant euh, j'en fais, euh, fais euh, assez souvent sur mon Insta, je fais une histoire que, que je continue, avec un petit peu d'animation, tout ça. Donc euh, je trouve ça très intéressant. Bravo à tous, 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 tous de vos participations, vous avez vraiment super bien joué. J'essaierai de faire une bille, les gars, cette fois. <laughs> euh, alors, on a euh, pour les gens, euh, pour les gagnants du concours, euh, je vais contacter, euh, je vais contacter du coup moi-même la sélection que m'a envoyé euh, concouru en message privé. Je vais envoyer un message à tout le monde et je signalerai à à ceux qui ont gagné... Euh, bon, même pas, je vais vous... Euh, euh, enfin, si, si je, vous, je vous le dirai directement au message. Il y a donc deux gagnants à 20 euros qui vont recevoir un bon Amazon. Vous, vous pouvez aller voir sur le, le Instagram de Konkuru hein, si vous voulez connaître le, les gagnants. Le lien est dans la description de la vidéo pour le Instagram. Euh, J'envoie deux... Euh, euh, enfin, je, il y aura deux gagnants à 20 euros de de bon Amazon, et il y en aura 4 à 10. Donc euh, voilà, je, je vous envoie un petit message les gens, comme ça vous me donnerez votre, euh, vous me donnerez votre, votre adresse mail et je vous enverrai ça. J'ai appris beaucoup durant ce concours qu'on ne pouvait pas corrompre le juge à coup de bande d'arcade par exemple. Oui voilà, alors... Les gens ne me croient pas, hein. bien sûr, parce que les gens ne me croient jamais. Il y a quelqu'un qui a participé avec des bornes d'arcade, qui en a donc en envoyé 4. Je vous avoue que ça prend de la place. Hein. Donc voilà, le, la personne a participé avec quatre euh, bornes d'arcade au concours. Je pense que la personne n'a pas très bien compris. Vous voyez, il y en a une autre là-bas. Il y en a donc une ici. Il y en a deux autres qui sont dans la chambre. Donc voilà. La personne m'a envoyé des bandes d'arcade comme participation. Je dois vous avouer que ça prend pas mal de place. C'était assez, euh, assez compliqué à caser. Encore en plus, euh, bon, il y a le fait que bien sûr, c'était absolument pas dans, le, dans les règles du concours. Donc euh, voilà, j'ai euh, pas compris. Mais euh, ben, merci à toi quand même d'avoir participé à ce concours. Hein. Euh, J'apprécie fortement euh, les bandes d'arcade, mais euh, ça ne ça compte, ça compte pas. Quoi. Encore un concours avec des PS5, bah ben voilà, c'est ça qu'on se demande. Euh, Envoyez-moi directement des PS5 pour participer et euh, je pense que je vais faire le concours. Je vais faire le concours à base de PS5, euh, voilà. Euh, C'est tout pour euh, cette vidéo, les gens. J'espère que vous, ça, ça vous aura plu. Un euh, grand merci à Konkuru qui a, qui a corrigé le concours et qui a, euh, qui a choisi les gagnants. Euh, je regarde juste quelque chose. Euh, oui, l'ordre le, dans lequel ils sont affichés sur le Konkuru c'est pas le vous ne connaissez que ce que Concourou a choisi en tant que gagnant l'ordre après euh, ne compte pas comme un 1 2 3 4 5 6 7 8 9 euh, donc euh, voilà vous ne connaissez que le gagnant je vous enverrai directement les, les messages pour le reste merci à tous euh, si ça vous intéresse on se fera un autre concours sans prix et après on en fera un autre avec prix euh, donc euh, vous me dites vous me dites si ça vous intéresse ou pas je vous retrouve sur les réseaux les gens. Merci à tous d'avoir participé et on se dit à très bientôt. Bye bye